autant de neige. En octobre, ça n'est pas courant. Mais ce n'est pas la couche d'une vingtaine de centimètres qui va freiner l'équipe de la station du Schnepfenried dans ses préparatifs. Le vent, lui, est plus embêtant. Mais peu importe, ce matin, on range le mobilier estival du restaurant de la station et on ressort les perches des remontées mécaniques. On a 6 remontées mécaniques et un télécorde, donc tout ça, ça va être remis en place maintenant, oui, sur le mois de novembre. Il y a aussi le réseau d'enneigement hein, qui prend beaucoup de temps, hein, avec notamment tout ce qui est réseau de dialogue, parce qu'il y a des fois des surprises avec les rongeurs. Ce qu'il reste encore à mettre en place, c'est la partie visible de l'iceberg. Il s'agit en fait de la dernière ligne droite, puisque les préparatifs ont débuté il y a plusieurs mois déjà. Il y a une grande partie au printemps de rangement déjà, pour abriter les choses qui sont fragiles, tout ça. Ensuite, il y a pas mal de maintenance à faire tout au long de l'été. Hein. Donc, alors bien sûr, le mois de juillet, le mois d'août, on est pris par autre chose, hein, parce que du coup, la partie activité touristique est plus présente. Et puis après, dès qu'on est un peu plus libre, ben, on continue donc la maintenance des enneigeurs, des engins de damage, également les remontées mécaniques, hein, donc avec des contrôles de rotation des roulements, des graissages. Après, il y a aussi tout ce qui est contrôle réglementaire. Hein. La station du Schnepfenried devrait rouvrir courant décembre selon les conditions météo. L'année dernière, 60 000 skieurs étaient venus profiter du domaine.